Alors, une nouvelle émission, 13 Inside. Et aujourd'hui, on est en présence de Christophe Vallès de la société Copisud. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Merci. Ben, Christophe Vallès, société Copisud. J'ai 48 ans depuis peu, depuis 4 jours. Je travaille dans la structure Copisud depuis 11 ans maintenant. L'ancienneté de la boîte, c'est 45 ans sur Toulouse. Donc ça commence à faire pas mal d'années. On est spécialiste sur tout ce qui est environnement bureautique. Nos clients sont des professionnels et nous travaillons autour des imprimantes, autour des multifonctions et beaucoup depuis une dizaine d'années sur l'aspect documentaire et notamment tout ce qui est digitalisation des process et traitement des factures en numérique. C'est un vrai sujet aujourd'hui. On a axé la politique sur le service. Donc on s'attache au quotidien à maintenir effectivement une prestation de qualité pour nos clients et ceux à venir. Voilà. Merci Christophe. Alors, Copisud, ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous êtes partenaire du club. Bon, même si ça fait 11 ans que tu y es, je suppose que vous devez parler régulièrement entre vous. Pourquoi 20 ans de partenariat au Théo ? Alors effectivement, 20 ans, c'est un beau partenariat. On a pour habitude d'avoir des clients fidèles, donc on essaie nous aussi d'être fidèles. La volonté, moi je le vois depuis 11 ans, c'est de pouvoir participer aux événements sportifs au niveau de la commune, mais aussi dans la région. C'est, je pense, en tout cas personnellement, important, je pense, d'être lié dans le domaine du sport, qui draine beaucoup d'entreprises, tout simplement. On est partenaire aussi au TFC, au Stade Toulousain et au Phoenix. Donc on est très attaché effectivement à ces partenariats sportifs qui nous apportent de la visibilité d'une part, mais qui nous permet aussi de rencontrer des clients, des prospects, dans un environnement différent, plus détendu que dans l'entreprise. Donc c'est intéressant effectivement de faire perdurer tous ces partenariats sportifs et notamment avec le Théo. Eh bien, on te remercie Christophe et puis à bientôt. Notre deuxième invité, Ali. Donc Ali, Acrogeco, nouvelle société partenaire du club. Pourquoi avoir rejoint le Théo et peux-tu te présenter ? Alors bonjour, moi je suis Ali Lawadi, société Acrogeco. Donc Acrogeco, c'est quoi ? C'est de la maçonnerie sur corde, c'est de la toiture et de la zinguerie sur tout ce qui est inaccessible. Pourquoi j'ai rejoint le Théo 13 ? Bien entendu, c'est les valeurs du sport, c'est les valeurs de l'entreprise, de notre entreprise, qui sont la convivialité, le bien-être, la performance et les choses bien faites également. Donc Ali, comme tu nous as expliqué, bon, vous allez sur des choses inaccessibles, mais rentre un peu plus dans les détails de ce que vous savez faire. Alors nous, ce qu'on sait faire, c'est de la maçonnerie sur corde. C'est quoi la maçonnerie sur corde ? C'est sur les parties inaccessibles, on est capable de faire du patrimoine, donc s'occuper des églises, s'occuper en urbain de façades totalement inaccessibles à l'échafaudage. Donc on va faire de l'enduit à la chaux, de la brique foraine, de la pierre. Et on est capable également de s'occuper d'une toiture, de la zinguerie et tout ce qui est l'enveloppe même du bâtiment. Ben Ali, on te remercie et puis on te dit à bientôt. Alors, 3 victoires d'affilée, surtout à la maison, ça fait plaisir, tout d'abord, parce que c'est une récompense du travail effectué par le groupe, les joueurs et le staff derrière. Et pour le joueur, justement, c'est une récompense, entre guillemets, pour le travail qu'ils ont fourni. Et vraiment aussi de faire cela à la maison, de rester invaincu à la maison, c'est une récompense en soi, mais vraiment ça montre qu'on va aller vers l'avant et les intentions du club. Prochain match à Londres, ça va être la 3e fois qu'on les joue. Il y a 1 victoire chacun pour le moment. Du coup on va vouloir aller là-bas les battre, un peu en mode revanche après notre défaite au Samabash. Donc
Ça va être un gros match et on va pouvoir se tester après avoir enchaîné plusieurs matchs à la suite sans pause, qui est un peu difficile avec un effectif réduit, mais voilà, on va aller là-bas faire notre mieux pour mettre en avant le travail du groupe. Voilà. Bonjour Carlos, le 15 juillet, nos Olympiens porteront un maillot un peu particulier. Peux-tu nous en dire quelques mots concernant ce maillot collector, s'il te plaît ? C'est un maillot que j'aurais bien aimé porter parce que déjà il a le bleu, blanc, rouge, mais surtout il a le scapulaire et qu'on revient aux habitudes du rugby à 13, et je trouve que c'est une très bonne idée. Et ensuite avoir mis tous les noms des internationaux du TO, je trouve aussi que c'est original et c'est sympathique pour tous ceux qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Donc voilà, le 15 juillet, nous porterons ce maillot très particulier en hommage aux internationaux du Toulouse Olympique, en espérant vous voir nombreux à Ernest Vallon.